Salle la rempli ak moun ki nan système éducatif la. Professeur l'école, policier du pôle, parents, bref. Événement c'est célébration 4e journée internationale éducation. C'est vrai, gen jefò ki fèt nan cadre programme éducation pa katann lan, mais cependant représentant UNICEF la Bruno Maes souligné gen pile gros défi ki rete pou leve parce que gen ti moun ki poko ka retourner l'école. Des milliers d'élèves, notamment ceux vivant dans les quartiers défavorisés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont perdu bon nombre de jours, voire des mois de cours. Certaines familles vulnérables sont également décapitalisées, alors que plus de 80% des écoles sont payantes. De nombreux élèves et enseignants supportent encore un traumatisme profond, car témoins ou victimes d'actes de violence ou de tremblement de terre, du tremblement de terre de 14 août. Force est de constater que beaucoup plus d'enfants sont retournés à l'école au cours de ce mois de janvier 2022. Quelques portes l'école qui t'est fermée, réouvrie. Divers timoun reprennent mes classes. Cependant, il y a des efforts qui doivent être faits pour environnement l'école ça yo sécurisé pour élèves yo bien apprendre. Pour chef gouvernement Ariel Henry, c'est moment pour action posée pour timoun dans grand site la axé la yo qui dans quartier qui en bas contrôle gang armé retourner l'école. Qu'il s'agisse de la 3e circonscription de Port-au-Prince où la grande majorité des écoles publiques et non publiques est fermée ou dysfonctionnelle, qu'il s'agisse des écoles du département des NIP, du Sud et de la Grand'Anse, l'heure est à l'action au sein de tout le gouvernement. Mesdames, Messieurs, je peux vous assurer que l'appareil d'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est plus que jamais mobilisé pour que nos milliers d'enfants et d'adolescents qui peinent à poursuivre leur formation à cause des bouleversements du calendrier scolaire ces dernières années réintègrent les salles de classe partout sur le territoire national. Qualité apprentissage là dépend tout des compétences enseignants yo. Ministre éducation nationale là Nesmi Manigav l'élevé défi ça. Gen mizik ap pran pour aucun monde pas entrer dans salle classe pour enseigner sans yo pas gagner permis pour ça. Le ministère fixera les délais. Mais dans peu de temps pas gon l'école publique, yon l'école privée. Que le ministère de l'Éducation nationale a un bon lien avec elle. Qu'aucun partenaire technique et financier a un bon lien avec elle. Si tout enseignant qui l'a cali pas enregistré dans la base de données du ministère là, et pas fait partie de ça que nous et nous-mêmes, ensemble du registre des maîtres et qui gagne un permis d'enseigner. Mais il s'est visé protéger la société pour ces gens qui ont compétences cap enseigner. Yon l'école qui pa gen tout professeur qui gen permis pa presevoir autorisation pour le fonctionner. Changer cap, transformer éducation, ministre Nesmi Maniga vle montrer ça. Yon centaine nouveaux enseignants recevoir lettre nomination yo pour y al dispenser coup. Ils viendront renforcer à la fois les bases de l'école fondamentale mais aussi les nouvelles matières du curriculum du nouveau secondaire de 2015, en particulier l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, bien encore plus large que l'éducation civique, l'enseignement du créole, l'éducation artistique et culturelle, l'économie, l'environnement, pour ne citer que cela. Yon dizaine moun ki se mam personnel, enseignant ak administratif, resevwa plak donè pou kontribisyon yo pou l'ekol relouvri nan kek zon tankou Cité Soleil, La Saline ak nan Riel Maya. Pami moun, Ministère Éducation Nationale honoré, mèm s'il mouri, se Grégory Saint-Hilaire. Yon jen gason ki te genye rêv, al fè kou l'ekol pou pataje konesans li. Se maman ki resevwa plak donè a. Autorité yo bay garanti, y a continué faire dialogue pour toute porte l'école l'ouvri parce que sans éducation, pas bien aucun développement.